Donc, oui. President, please be seated. The court is now back in session. In this afternoon's hearing, on Thursday and Friday, the chamber will hold the hearings of victims' impact statements of some civil party who experience during democratic Cambodia, and the chamber will hear their statements. La chambre va donc entendre leur déposition. Civil parties will state the sufferings which they experienced during their times, and we will hear two civil parties this afternoon. There is 2 TCP-982 and 2 CCP-985. And the first civil party to be before the chamber today is 2 TCP-982. Court officer is instructed to usher in the above mentioned civil party to the stand so that he or she can make a statement. President, good afternoon, Madam Civil Party. What's your name? Civil Party. My name is Tak San. Je me nomme Tak San. I am from Kiriwong District, Takao Province. Question. Thank you very much. Je vous remercie, Madame la Partie When civile. Were you born? Quand êtes-vous née? Answer. I do not remember. I am illiterate and I cannot remember the date of my birth. Question. And how are you as of today? President, please wait, Madame Civil Party. Please wait until the microphone is activated. Veuillez attendre que le micro soit activé. Correction, la question était, et quel âge avez-vous? Witness, I am 67 years old. Réponse, j'ai 67 ans. President, thank you very much. Président, je vous remercie. Where is your current address? Oh. Quelle est votre adresse actuelle? I live in some commune, Kiriwong District, Takao Province. What is your current occupation? Question. Quelle est votre profession? President, please wait, Madame Civil Party. Attendre, Madame la Partie Civile, que le microphone soit allumé. Civil Party, I am at home. Je suis au foyer. I collect firewood
for sale and I had a small business. De chauffe pour le vendre. President, et j'ai une petite entreprise. What are your parents' names? Président, quels sont les noms de vos parents? Civil party. Parti civil. My parents' names are. Mes parents. Lam Seng, said civil party. Lam President, Seng, what civil. Is your father's name? Président, et quel est le nom de votre père? My father's name is Ta. Mon père s'appelle Ta. President, what is President. His surname? Et quel est son nom de famille? Answer, his surname is Lum. Lum. President, what is your mother's name? Président, quel est le nom de votre mère? Answer, Réponse. Her name is Seng. Seng. President, President. What about her surname? Quel est son nom de famille? Answer. Réponse. My mother's father's name is Lum. Le nom du père de ma mère est Lum. Président. President, are you married? Êtes-vous marié? Réponse. Answer. I am a widow. Je suis veuve. President, President, how many children do you have? Combien d'enfants avez-vous? Answer. Réponse. I have four children. J'ai quatre enfants. President. President, I would like to ask a few questions to the staff of TBO. What is your name? Et je m'adresse aux membres du personnel de TPO. Answer. Quel est votre nom? My name is Réponse. Chai Maridai. Je me nomme Chai Maridai. I am a staff member je of TPO to support TPO. The victims of the Khmer Rouge period. President, thank you very much, Madame. Le président, je vous the chamber Madame, la chambre. Wants to know your name and want the parties to know your name as well. During the testimony of this civil party, the chamber allow you to sit close by to the civil party so that you can support the civil party. And from your support, we hope that the civil party will be strong and can make a statement of her suffering. Thank you, Madame Civil Party. In today's hearing, the chamber will give you the floor to make a statement of the suffering and injury you have experienced during that time, and you will be asked to make statement in relation to the harms inflicted upon you resulting in your civil application to claim collective and moral reparation for physical, material and mental injury as direct consequences of crimes. And the two of you are charged with the crimes which cause injury on you during the period of 17 April 1975 through 6 January 1979. You have the floor now, Madame Tak San. Please wait, Madame Civil Party. You may proceed, a legal lawyer for Civil Party. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. J'ai l'honneur de commencer cette série de dépositions et je laisserai ensuite successivement la parole à mes confrères durant ces trois jours. Nous avons plutôt décidé de poser des questions aux partis civils pour les aider à formuler des réponses sur les préjudices et les souffrances qu'ils ou elles ont vécues durant la période du Kampuchea démocratique. Donc je vais commencer avec Madame.
Taksan, so et puis mon confrère Laure Schulte continuera dans l'après-midi. Madame la partie civile, bonjour. President, this means that this civil party will not make a statement first, and this civil party will use the rights to be questioned by the lead co-lawyer. Is that true? Questionnée par les co-avocats principaux. C'est exact. C'est exact. En fait, nous avons fait le choix de poser des questions, les réponses de la partie civile constituant sa déclaration sur les souffrances in fact, will make up et les her préjudices. Testimony, on the harm that she suffered. President. So this would apply to all civil parties? Cela s'appliquera-t-il à toutes les parties civiles? There are only some exceptions on some civil parties. Je pense que cela s'appliquera à toutes les parties civiles. I believe, for all civil parties. President, you may proceed now. Le président, allez-y. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Bonjour, Madame la partie civile. Good afternoon, civil party. La première question que je vais vous poser, that I'm going to ask you, c'est de savoir is où vous êtes né et ensuite nous born, pourrons dérouler votre parcours entre 75 et 79 75 et vous aider à exprimer les souffrances et les préjudices que vous avez vécues durant cette période. Mais pour bien comprendre l'enchaînement first, des événements, je voulais savoir up, où vous étiez, où vous first, étiez né, dans quel district. Born, in which district. Civil party. Partie civile. I was born in Cambodia Krom. Je suis né au Cambodia Krom. Est-ce que vous pouvez nous dire can you tell à quel us? Moment vous êtes parti when du Kampuchea Krom. You left Kampuchea Krom. Chumnuon 6-7 khai dai ban chit 1 chnam dai nung ham laung mau do yuon nung 7 or 8 months or after 1 year I left Kampuchea Krom when there was the exchange program. C'est alors qu'il y a eu le programme d'échange. Donc, pour être bien clair, est-ce que vous êtes toujours resté au même endroit? Avez-vous toujours habité à l'endroit de votre naissance ou avez-vous déménagé entre votre naissance et le moment où vous êtes arrivé au Kampuchea Krom? Between the time when you were born and the time when you arrived in Kampuchea Krom. Answer. Réponse. I fled to live in the lower part, that is Krom, because I was afraid. J'ai fui pour aller and my children and I fled to live in the lower part, that is Krom. Fui avec mes enfants pour vivre dans la partie basse nommée Krom. Je vous remercie. Vous souvenez-vous à quel moment vous avez fui? Do you remember when you fled? Answer. I do not remember because I cannot read and write. I do not remember the year. I just fled to that place together with others. Et où étiez-vous avant de fuir vers le Kampuchea Krom? Before you fled to Kampuchea Krom. I lived in Koh Kampol commune, Tropeang Chuk. Dans la commune de Koh Kampol à Tropeang Chuk. Je vous remercie. Vous indiquez avoir fui avec vos enfants vers le Kampuchea Krom. Avez-vous laissé derrière vous
une maison, un terrain. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer à la cour les biens matériels que vous avez dû laisser derrière vous quand vous êtes parti au Kampuchea Krom? I had a house before I left, and I had some belongings, so I left behind my house. J'ai laissé ma maison. Je vous remercie. Vous indiquez être parti avec vos enfants. Est-ce que vous pouvez indiquer à la cour avec qui exactement vous êtes parti au Kampuchea Krom? Quels étaient les membres de votre famille qui vous ont accompagné dans ce voyage? Answer. My mother, my father, my husband and children, we all fled to Kampuchea Krom. Nous sommes tous partis, nous avons tous fui au Kampuchea Krom. Pourquoi avez-vous fui? Why did you flee? Answer. I was afraid. J'avais peur. For this reason, I fled to that place. I was afraid that I would be sent to the upper part. For this reason, I fled with others to that lower part. Avec d'autres personnes vers cet endroit. Je vous remercie. Vous avez indiqué un petit peu plus tôt que vous aviez passé environ 7 ou 8 mois au Kampuchea Krom. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles circonstances vous êtes revenu au Cambodge? Réponse. I left Kampuchea Krom with some little belonging and spent two nights at Phnom Penh. And after that, Khmer came to bring us and together with our belongings to Thanaut Chrum. Pouvez-vous nous donner plus d'informations sur le programme d'échange dont vous avez parlé? Comment concrètement cela s'est-il passé? How did this program of this exchange program take place? I do not know how to explain. I was asked to leave. That is why I left with others. Je suis parti aux côtés d'autres personnes. Saviez-vous où vous alliez arriver en arrivant au Cambodge? When you arrived in Cambodia. I did not know where I would go. I thought I would be happy to be back in my home village, but I was abroad to anywhere else. On m'a amené ailleurs. Pensiez-vous à l'époque que vous alliez rentrer à votre village natal? Answer. I was not allowed to live in my home village. I was taken and brought to Thanaut Chrum. On ne m'a pas autorisé à revenir dans ce village. On m'a amené à Thanaut Chrum. Est-ce que vous pouvez nous dire avec quel membre de votre famille vous avez fait ce voyage retour du Kampuchea Krom vers le Cambodge? From Kampuchea Krom back to Cambodia. Answer. There were many people. I do not know them. Il y avait vraiment beaucoup de personnes. Je ne les connaissais pas. They were taken to Kampuchea Le. There were hundreds of cats. Et il y avait beaucoup de charrettes, des centaines. Et les membres de votre famille avec lesquels vous avez fait le voyage, quels étaient-ils? Who were they?
And my parents, my children, mes enfants, my husband, mon mari. Êtes-vous parti du Kampuchea Krom avec des biens, des vaches, de la nourriture, such as cows, des vêtements? Food, est-ce que vous pouvez clothes, donner un petit peu plus de précision? Can you provide us with a bit more clarification on this? Answer, yes. I had brought some belongings, oui, cats, cattle and some foods to eat. Une bouilloire, du bétail et de la nourriture. Je vous remercie. Pouvez-vous expliquer thank à la cour ce qui s'est passé à partir du moment où vous êtes arrivé au Cambodge? When you arrived in Cambodia? Answer. I thought that I would be prosperous when I arrived in Cambodia, but instead I was placed in a suffering area. Mais au contraire, j'ai été exposée à maintes souffrances. Merci, Madame la partie civile. Nous allons justement essayer de parler de ces souffrances que vous avez vécues une fois arrivée au Cambodge. Pouvez-vous nous dire où vous êtes arrivée au Cambodge? Dans quel district, dans quelle commune? Answer. Tropeang Thom Khang Cheung was in Tram Kok district. Khang Cheung se trouvait dans le district de Tram Kok. Merci. Je vais tout d'abord vous poser une question par rapport aux effets personnels que vous avez amenés. Est-ce que vous avez été dans la possibilité de conserver ce que vous aviez amené du Kampuchea Krom ou non? Answer. I had some belongings. J'avais quelques affaires. The trucks went to collect me and they took all my belongings and those belongings were put in a collective property. En collectivité. Pouvez-vous expliquer à la cour? Can you ce qui s'est passé après avec les membres de votre famille? Avez-vous été autorisé à rester ensemble avec votre mari et avec vos enfants? With your husband and with your children? First, I was allowed to live with my family and my husband, and after that, we were divided into different units. Nous avons été séparés et placés dans différentes unités. Aviez-vous la possibilité de voir vos enfants? Were you able to see your children? Ou non? Et pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment ça se passait? And can you tell us a little bit what happened in that regard? Answer. Réponse. I was explained. I explained to my children that. Please do not say anything. So you only did what you were asked to do. Qu'il fallait qu'ils fassent ce qu'on leur demandait. À quelle fréquence pouviez-vous voir vos enfants? How often could you see your children? I did not go to visit my children. My children would come to visit me on the 10th, 20th every month. De chaque mois. Avez-vous souffert à l'époque de ne pas voir suffisamment vos enfants? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous viviez la chose à l'époque? Can you tell us a little bit how you experienced this? Normally, mothers
love the children. The children are away from mother, so we miss them, so but we could not do anything. Je vous remercie. Vous avez indiqué tout à l'heure être arrivé à Tramcock avec vos deux enfants. Est-ce que vous avez eu d'autres enfants pendant que vous étiez à Tramcock? Did you have any other children when you were in Tramcock? When I was in Tramcock, I was pregnant and I had a child. My husband was taken away. I did not know where he was taken to, so I had a baby alone. I live alone with my baby. Je vous remercie. Pouvez-vous nous dire un petit peu plus sur la disparition de votre mari? Dans quelles circonstances a-t-il disparu? Et est-il le seul membre de votre famille qui a disparu? Is he the only member of your family who disappeared? Answer. We came together with five or six cats. Nous and sommes venus tous ensemble. When I returned, en cinq, I could not see my husband. He disappeared, and I did not dare to ask where he was at that time. Vous avez évoqué deux enfants à l'époque. Est-ce que ces deux enfants ont survécu au régime? Did both of these children survive the regime? Yes, they did. Réponse oui. Avez-vous perdu d'autres proches pendant cette période? Did you lose other loved ones during that period? Yes, my sibling. Oui. I also lost my sibling during the regime. Des frères et sœurs pendant le régime. Je vous remercie. Nous allons maintenant évoquer les éventuelles souffrances que vous avez subies lorsque vous travailliez à Tramcock. Donc je voulais que vous nous racontiez où vous aviez été affecté quand vous êtes arrivé à Tramcock et quel type de travail vous avez effectué. First, I was asked to carry the termite mound earth and later on to carry fertilizer and then to work on a canal at Kokru. Et de travailler sur un site de canal à Kokru. Quel a été le travail le plus difficile que vous ayez eu à accomplir? What was the most difficult task you had to carry out? To carry the earth, the termite mound earth up through the dam at Kokru was difficult. They put more earth on the baskets that I had to carry, and then sometimes I fell down. Aviez-vous la faculté de vous reposer quand vous étiez fatigué? Were you able to rest when you were tired? No, I did not dare to rest as I was forced to work. On me contraignait à travailler. Everybody did not dare to take any rest. Personne n'osait se reposer. Et pourquoi n'osiez-vous pas vous reposer? And why were you not able to rest?
We were not allowed to rest as we were forced to complete the work assignment. Nous devions faire ce qui nous avait été demandé de faire. Vous est-il arrivé pendant cette période à Tramcock de travailler également la nuit après le repas du soir? Did you sometimes have to work at night at Tramcock after your evening meals? Yes, after the meal we were ordered to dig pits in order to plant coconut trees. Après le repas, nous devions creuser des fosses pour planter des cocotiers. Merci, vous avez indiqué tout à l'heure avoir été enceinte pendant que vous étiez à Tramcock. Est-ce que vous avez dû travailler pendant que vous étiez enceinte? Pregnant while you were at Tramcock. Did you have to work while you were pregnant? I had to work until the time that I delivered my baby. J'ai dû jusqu'à l'accouchement. Je vous remercie. Avec le recul, qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous now, looking at dans the tout ce travail que vous avez effectué pendant ces quelques années passées à Tramcock? What was the most difficult experience you faced during all the time you spent working at Tramcock? The most difficult work was to carry the earth, as it was rather too heavy for me. C'était trop lourd pour moi. Sometimes fill in the basket too full and it was too heavy for me to carry it. Et ce panier devenait trop lourd pour moi. Je vous remercie. Avez-vous souffert de la faim pendant que vous étiez à Tramcock? Did you suffer from hunger while you were at Tramcock? We were given gruel to eat. L'on nous donnait de la bouillie. Est-ce que cette bouillie était suffisante pour vous nourrir suffisamment? Was such a gruel sufficient for you to eat satisfactorily? No, it was not enough. Non, elle n'était pas suffisante. And also, I had to leave some for my child. D'ailleurs, as well aussi as my child did not have enough food to eat. Car eux non plus n'avaient pas assez à manger. Pour être clair, Madame la Partie Civile, est-ce que vous avez eu faim pendant ces années? To be clear, Madame Civil Party, were you hungry throughout all those years? Yes, I was hungry and I did not dare to steal anything as I was afraid. So we had just to try to survive. Nous essayons de survivre, c'est tout. De quoi aviez-vous peur? What were you afraid of? I was afraid that I would be taken away and killed. J'avais peur d'être emmené. So we did not dare to complain, even if the food was not enough. Personne n'osait se plaindre, même s'il n'y avait pas suffisamment à manger. Est-ce que vous avez toujours eu la même ration alimentaire ou est-ce que cette ration a changé au fil des mois ou des années passées à Tramcock? Or such rations changed over the months and years you spent at Tramcock? It was basically the same as they sometimes only changed the vegetable, but the soup was still watery, and we only had a bowl of watery soup for four of us in a group. Vous avez indiqué tout à l'heure que vous gardiez un petit peu de soupe pour vos enfants. You stated a while ago that you kept a bit of soup for your children.
President, Council Copé, do you have the floor? Maître Copé a la parole. Thank you, Mr. President. Good Maître afternoon, Copé. Your Merci, honors. Monsieur le Président. I've been listening for a while now to the questions J'ai bien of the lead co-lawyer of the civil parties. I believe there is an American expression, Je pense qu'il y a une expression américaine says, qui dit If it walks like a duck, swims like a duck, si it quacks marche, like a duck, que it must be a duck. Et que ça comme un chien, ça doit être un chien. And what I'm listening to is the civil parties asking for testimony, asking the civil party to testify. I think I granted before objecting some leeway to the civil parties, but what we are having here is not civil party impact suffering, whatever you would like to call it, but simply somebody giving testimony. And of course, we had a long discussion before as to the parameters of what we're having today. But I believe we are having, or we are listening to testimony, and Mais I don't think that is the idea of this session and et tomorrow's and Friday's session. De la séance d'aujourd'hui et pas plus que celle de demain et après-demain. Monsieur le Président, j'aimerais répondre, bien évidemment. Mr. President, I of course would like to respond. Je suis assez choquée par l'objection de mon confrère. Shocked. By my learned Dans la demi-heure qui vient de s'écouler, cette partie civile nous a indiqué avoir perdu sa maison, avoir été déracinée, avoir perdu son mari, avoir vu ses enfants mourir de faim, avoir elle-même été affamée, avoir vécu des conditions de travail absolument inhumaines. Est-ce que ça, ce n'est pas la souffrance des parties civiles? Nous sommes avec des parties civiles qui sont illettrées, qui sont impressionnées d'être dans ce tribunal, avec qui il est beaucoup plus facile d'interagir en posant des questions. Encore une fois, quelle est la partie de ce témoignage qui n'est pas directement reliée aux souffrances vécu par cette partie civile pendant le Kampuchea démocratique, je le dis franchement, choqué par l'objection de notre confrère, really parce que là, véritablement, qu'on m'explique alors ce qu'est un préjudice et ce qu'est une souffrance, si ce n'est pas précisément ce que vient de nous raconter Madame Taksan. Which is not exactly what the civil party has just related to us.
President, I'd like to hand the floor to Judge Claudie France to provide an oral ruling on the objection raised by the defense counsels and also the techniques used by the lead co-lawyers in putting questions to the civil party. You may proceed, Judge France. The first is a remark on language. In the context of a civil party that talks about suffering, this kind of language is of questionable taste at best. Now to the substance. It's obviously this civil party has talked about suffering. Now it is obviously, equally obviously difficult to make a clear distinction between testimony on suffering and testimony on facts. For the next 2.5 days, we will simply go ahead with the way it was planned and with the method adopted by the co-lead lawyers when it comes to questioning time for the other parties. We will be open to reasoned submissions. And on the basis of these next 2 or 2.5 days, the chamber will, if necessary, review the approach to this kind of evidence. So for the time being, we are going ahead as planned and as scheduled. And defense is requested not to interrupt until they are given the floor. Not to interrupt on the basis that you don't like the process as it is at the moment, until you are given the floor. J'en avais presque terminé avant que notre confrère nous interrompe. Et il faudra peut-être qu'un jour il explique en quoi les objections qu'il formule sont dans l'intérêt de son client. J'avoue être de plus en plus perplexe face aux commentaires de notre confrère vis-à-vis des parties civiles. Il a dépassé depuis fort longtemps les limites de l'élégance dans cette salle d'audience. Et je trouve que sa dernière objection est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'en termine, Madame la partie civile, pour que vous puissiez avoir une chance d'exprimer vos souffrances après la période du Kampuchea démocratique. Que s'est-il passé après l'arrivée des Vietnamiens? Où êtes-vous parti? Where did you go? After the arrival of the Vietnamese, I went along on the carts with the Khmer Rouge. At that time, I was carrying my young baby. We went along further and further, but then we were told not to follow them. Puis on nous a dit de ne plus les suivre. Êtes-vous retourné finalement dans votre village natal? Did you ultimately return to your native village? Only after the Vietnamese arrived, then we returned to our native villages, and there were many of us returning, and we had to make a long trip, and sometimes we had to sleep along the way, wherever the night. Fault, then we stopped and rested. Et lorsque nous étions fatigués, nous arrêtions pour prendre le temps de nous reposer. Avez-vous pu retrouver la maison dans laquelle vous habitiez avant la période du Kampuchea démocratique? Did you find the house in which you had lived prior to the democratic Kampuchea regime? No, it was no longer there. It was gone. Non. Vous nous avez indiqué tout à l'heure avoir perdu votre mari pendant la période du Kampuchea démocratique. Vous êtes-vous remarié par la suite et comment avez-vous vécu dans le temps le fait de ne plus avoir votre mari? How did you feel following the loss of your husband?
It was very difficult. C'était très difficile. And I decided not to remarry. J'ai décidé de as ne pas me remarier. I decided and determined to take care of my children, and because I missed my husband enfant. And I pity him, that's mon why I decided not to remarry me manquait beaucoup, another man. J'avais pitié de lui, et c'est pourquoi j'ai décidé de ne pas me remarier. Avez-vous souffert du fait de ne pas pouvoir connaître l'endroit où vos proches avaient péri? Et avez-vous une occasion par la suite de leur dire au revoir selon les rituels qui sont les vôtres? According to the traditional rituals. When the time comes for the annual ceremony, I just burned an incense and the sticks and to pray to their souls, since I did not know where they actually died. Car je ne sais pas où ils sont vraiment morts. Je vous remercie, Madame la Partie Civile. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Madame Civil Party, I am done, Mr. President. President and the Deputy International Co-Prosecutor, the floor is yours. Le coprocureur international a la parole. Merci, Monsieur le Président. J'aurai 10 à 15 minutes, je crois, de questions de suivi I have à poser à Madame la Partie Civile. 10 to 15 minutes lorsqu'elle se sentira mieux, bien entendu, the civil party. I'll start when she, si j'en ai l'autorisation, Monsieur le Président. And when I have your leave. To start, Mr. President. President, yes, you may do so. Oui, je vous en prie. Merci. Madame la Partie Civile, mon nom est Vincent de Wilde. Je Madame vais vous poser quelques party. Questions My au nom du Vincent bureau de des coprocureurs. I will put some questions et surtout clarifier un certain nombre de choses. Or the office of the co-prosecutors. Tout à l'heure, vous avez like dit, j'ai cru comprendre, en tout cas dans la traduction française, que vous étiez né au Kampuchea-Krom, mais vous aviez aussi parlé d'un village natal qui se trouvait au Cambodge. Est-ce que vous pourriez alors répéter où vous êtes né exactement? Était-ce au Vietnam ou au Cambodge? Were you born in Vietnam or in Cambodia? I was born in Kampuchea. Je suis né au Kampuchea. Et pourriez-vous nous dire quel était le nom du village et de la commune? And can you tell vous us né? The name of the village and the commune in which you were born? It was in Trapang Chuk, Kokumpel. Kokumpel. But I cannot recall the name of the district. Mais je ne me souviens pas du nom du district. I only recall that it was called Trapang Chuk Kokumpel. Kokumpel. Merci. Donc vous êtes parti au Kampuchea Krom. Thank you. Et so you à un certain moment, to Kampuchea Krom. Vous êtes revenu. At vous avez point dit in dans time, votre you returned. Formulaire de déclaration de partie civile D22-3205 que vous aviez enregistré vos noms sur une liste que le gouvernement vietnamien avait constituée pour échanger les Khmers habitant au Vietnam avec des Vietnamiens. Est-ce que c'est bien correct? You were swapped with Vietnamese living in Cambodia. As against those living in Vietnam. Yes, I was part of the second exchange program with the Vietnamese. Deuxième programme d'échange avec les Vietnamiens. Dans ce formulaire, il y a une date qui est mentionnée. On this form is a date. Début 76. Early 1976. Est-ce que c'est cette période qui correspond à la période où vous êtes rentré au Cambodge? Vous confirmez que c'est la bonne when date? When you return to Cambodia, please confirm whether that date is accurate.
Returned to Cambodia, but I was not taken to my native village, but I was taken further up into the upper part of Cambodia. D'accord. Alors tout d'abord, avant d'arriver jusqu'au nord, dans le district de Tram Kha, vous avez dit être passé par Phnom Den, après avoir franchi la frontière vietnamo-cambodgienne. Pouvez-vous nous dire combien de temps vous êtes resté à Phnom Den? Est-ce que c'était quelques jours ou bien c'était plusieurs mois? Did you spend only a few days there or several months there? I spent two nights. J'y ai passé deux nuits. There, so we cooked rice and we stayed there Nous for two riz. Nights at Phnom Den. Nous avons passé deux nuits à Phnom Den. And next day, they brought in the truck. Et le jour suivant, with cattle, and we were asked to get onto those bétail. Trucks. Et nous avons dû monter à bord de ces camions et nous avons été emmenés. Quand vous avez été emmenés, est-ce que c'était uniquement des gens qui revenaient du Vietnam away, qui étaient dans ce camion ou bien y avait-il également Vietnam des gens du peuple nouveau du 17 avril? Or there were also new people, that is the 17 April people, in the truck as well. It was a mixture. C'était un mélange. There was our group and there were many of us in the group. Il y avait notre groupe qui était très très fourni. Merci. Alors, vous avez Thank dit you. Être arrivé dans le village de so Nau Chum, that you arrived in commune de Chum Cork village, Trabek, Cork, dans Trabek le district commune. De Tram Kha. In Tram Kha district. Et vous avez parlé d'une réunion, en tout cas dans votre formulaire, made mention of a d'une réunion durant laquelle on vous a confisqué donc vos biens personnels. Vous en avez parlé. Your personal property was confiscated. Dans ce formulaire, vous we'll avez également dit que si enfin, que vous aviez été menacé, que si l'encart découvrait que quelqu'un avait gardé des biens, il serait considéré comme un ennemi. Est-ce that would be considered as an enemy. C'était la première fois qu'on vous menaçait depuis votre retour au Cambodge. Was that the first time you were being threatened quand since on a your dit que vous seriez considéré comme des ennemis si vous ne remettiez pas tous vos biens? That you would be considered as an enemy if you did not hand in all your property. Yes, that was the first time. Oui, c'était la première then fois. Then we were told to give them the property that Ils we brought de along. Leur remettre tous nos biens. So we all had to hand them over to Ce them que nous the, for avons dû faire. Communal use. Tous nos biens ont été mis en commun. Au moment où vous avez dû remettre tous vos biens, est-ce que vous avez regretté the time when d'être you rentré had to au Cambodge? Hand in all your personal property. Did you regret having had to return to Cambodia? I did not regret much for the property that I handed over because I thought that it would be for communal use and that we would be given sufficient food to eat. But on the contrary, it was not the case. Après, vous avez été placé dans une unité de coopérative. Afterwards, you were placed in a cooperative unit. Qui travaillait unit. Avec vous dans cette unité de coopérative? Who worked with you Est-ce in que c'était that des gens venant unit. Du Vietnam? Were the people le 17 avril, from Vietnam? Were they 17 des gens du peuple people? De base? Were they Est-ce que les gens étaient mélangés ou non? Were they mixed or not? We were put to work mixed with other people. Nous avons été mélangés avec d'autres personnes pour être mis au travail tous ensemble. Vous voulez dire que les gens du peuple de base travaillent avec vous ou bien Do vous étiez mélangés avec des gens du 17 avril? With you, or you are mixed up préciser? With 17 April people? Please clarify that point. Some of them
For example, there were four or five of them. Il pouvait y en avoir quatre they were ou the cinq. Best people, but for us, quatre we had to work harder than them base, because they did not work as hard as we did because dur. They were the best people. Ils étaient mieux considérés car il s'agissait du peuple de base. Et qui dirigeait votre unité de coopérative? Est-ce que c'était des gens du peuple and de base who led your ou bien des gens unit? Comme vous? Were they base people or people like yourself? They were best people, although I did not know them. De base, mais je ne les connaissais pas. Vous avez aussi déclaré dans le formulaire you also stated l'information sur on the la victime, information, on the victim's information que si vous ne terminiez pas votre travail that if you did not dans les lisières, your transplanter work, des on bottes the rice fields, de plan de riz, as you had to transplant bien vous ne receviez pas de nourriture. Rice shoots, you wouldn't receive any food. Est-ce qu'il est arrivé que vous ne receviez pas de nourriture pour ne pas avoir terminé votre travail? Did bien, it happen est-ce que c'est resté that you une menace? Were not fed when you did not complete your work, or that was only a threat? It was a threat. Although we were still given the food ration, but I must c'était say the food ration was not manger, enough. Mais la nourriture n'était pas suffisante. Vous avez également dit que vous aviez goûté you also des fertilisants que vous faisiez à base you d'excréments the fertilizer pour être you sûr made qu'ils n'étaient pas trop salés, using parce que cela aurait pu faire mourir les plants de riz. Pourquoi est-ce que vous preniez la précaution de goûter so you had to ces test to make sure it wasn't too salty to destroy the rice shoots? Why did you have to test the fertilizer made with excrement? I first ordered to test it, so I had to force myself to do that as I was scared. Parce que j'avais peur. Et si les plants de riz mouraient, right que se passerait-il? Que se serait-il passé pour vous what selon les ordres qui étaient donnés par les Khmer Rouges? According to the orders that were given to you by the Khmer Rouge. We were told if the rice seedlings die, then si we would be mouraient, tortured. Nous serions torturés. Madame la partie civile, au dossier civil figure party, un document. There is a document in the case qui porte file. La référence E3/4092. C'est un document qui vient this du centre du, de sécurité de Krang Tak Chang. That comes from the Krang Tak Chang Security Center. Je ne vais pas vous le montrer, I'm not going mais to show it to je vais you, lire but I'm going to read out un extrait. An excerpt. Ça se trouve à la deuxième page en Khmer, numéro ERN. Khmer, ERN is... President, please wait. There is... Président, veuillez attendre, s'il vous plaît. Please proceed, Victor Copé. Maître Copé a la parole. Thank you, Mr. President. I understood the instructions Merci, of Judge Fence. J'ai bien compris les instructions however, I feel obliged to Fence, nevertheless stand up because I think we are taking parole, it another step further, car nous showing plus loin encore à présent, the civil party a document nous allons en effet and asking for un her document, reaction la or her testimony lui de has again nothing to do document, déposer, with her suffering, but is only intended souffrance. To establish l'idée evidence. Est seulement de, d'établir des faits, so, des éléments de preuve. Again, I feel obliged to object. And allow je me very briefly to react to what you said about my expression. I would like to make it very clear that the use of this expression was intended at the civil party lawyer and obviously not at the civil party herself. Perhaps at this point and the translation into French was even worse, which is another reason why using this kind of language
is something one should consider. I understand, but I cannot be held responsible for improper translation. I believe it's a standard American expression. I will never use it again, but I want to be very clear. It was obviously not directed at the civil party. Monsieur le Président, est-ce que je peux répondre? Je voudrais dire que l'objection est inappropriée dans la mesure où la partie civile a clairement dit qu'une de ses souffrances est de ne pas avoir pu savoir où les membres de sa famille avaient été emmenés et où ils étaient morts. J'essaie ici simplement de voir si elle peut identifier une personne qui s'est retrouvée au centre de sécurité de Krang Tachang. The objection of the Defense Counsel for Mr. Nguyen Chi is overruled. Deputy International Co-Prosecutor, please proceed to your line of questioning. No. And Madame Civil Party, please respond to the question asked by Co-Prosecutor. Je vais peut-être simplement rappeler les numéros tout d'abord, Monsieur le Président. C'est E3-4092. En Khmer, c'est la page 00272711133. En anglais, 00083743793. En français, 00721272744. Alors, dans ce document, Madame la Partie civile, document, Civil Party, émanant du Centre de sécurité de Krang Tachang Security Center, on parle d'une personne qui s'appelle Thak Sim, S-I-M, describe a person by the name qui, of Thak à l'époque, était âgée de 36 S-I-M, ans who was 36 years old back then, et qui était mariée à Nget Neo, Nget N-G-E-T. N-G-E-T, N-E-V. And Nev, cette personne N-E-V, était née this person dans was le village born de Pril, in the village de Somme, of Pril, Song district commune, de Kirivong, à Takeo. C'est le village in Takeo province. Où vous habitez maintenant. This is the village where you live Est-ce now. Que vous connaissez cette so, personne, do you know Thak this person? Sim, do you know qui porte le même nom Mr. que vous Mr. who bears the same name as you? Answer, I do not know this individual. Je ne connais pas cet individu. Très bien, dernière question. Fine. La partie civile, Last est-ce que vous question. Connaissez une personne you know venue du Vietnam du Sud who en came 1976, from South Vietnam in 1976 et qui se serait installée comme and vous who dans apparently la commune de Poc settled as you in the commune of Poc Trabec, qui s'appelle Peo, whose name is Peo, P-E-O-U. N-E-O-U-N-Y. N-E-Y. Answer, I do not know this person. Je ne connais pas cette personne. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Thank you very much for having answered my questions. I have no further questions for this civil party. President, what about the defense counsel for the accused? Do you have any question to put for this civil party?
Just a few, Mr. President. Good afternoon, Madam Civil Party. I have a few follow-up questions. Would you be able, when you speak about the food situation, to make a distinction between how you were eating in 1976, how the situation with the food was a bit later in 1977, 1978. Could you tell us a bit more about the food situation in period of time? Sur la situation alimentaire, y avait-il une différence? Comment a-t-elle évolué au fil du temps? Answer. As for food ration, we had meal as normal. We had a soup, and the soup was cooked in a large pot. Nous avions une soupe qui était cuisinée dans de grandes casseroles. Did you also have vegetables, meat, potatoes, de la fruit, viande, des pommes de terre, those kind of des things? Fruits, des légumes. Answer. Réponse. There was a morning glory soup and eggplant. There were eggplants. Il y avait de la soupe de liseron d'eau, des aubergines. There was soup for us to eat. Nous avions de la soupe à manger. But would you be able to tell us how? Maître Coppe, et pourriez-vous nous dire? The food situation was. In the beginning that you came to Tramcock district, était la situation alimentaire a bit later in time, and then at the end Tramcock, of the DK regime, can you tell us a little bit more about the food situation over time? Pourriez-vous nous parler davantage de l'évolution de la situation alimentaire? Answer. Réponse. I only knew that there was soup for us to eat. Tout ce que je savais, c'est que nous avions de la soupe there à manger. There were fish meats. There were meats for us as well. Nous avions également de la chair et de la viande et du poisson. I understand, Madame Civil Party. My question is, was Maître there an improvement compris, in the food situation? Savoir, si la situation was one year d'une année or one month the food situation better than other times, for instance? Que d'autres, ou un mois pendant lequel la situation alimentaire était meilleure? Answer. Réponse. And once in a while we had rice to de eat. Temps en temps, nous avions du and riz à manger. We would also have dessert once in a while. De temps en temps, il y avait aussi du dessert. Maître Coppel. Maybe my questions are not very clear. Peut-être I apologize, Madam Civil Party, but what I'm trying to understand is whether there was an improvement in the situation. In the beginning, when you came. Maybe there was not enough food, but later on in the district there was enough food to eat. Arrivé, could you tell us a little bit more about the various periods in time? Que pouvez-vous nous en dire? Answer. Réponse. First, we had our food as normal. Au début, and, la situation alimentaire était normale. Later, mais quelques mois plus tard, the food was also normal, but la situation later on, était aussi we normale. Had a en gruel. Revanche, par la suite, nous avons eu de la bouillie. Would it be fair, Madame Civil Party, to say that Madame sometimes the food situation was good, sometimes it was a little less good, parfois was a little elle était moins bonne, more bad, pire. Sometimes good, sometimes bad. Is that an accurate description? Parfois la situation était bonne, parfois la situation était mauvaise. Est-ce que c'est une bonne description de ce que vous avez vécu? Answer. Réponse. The soup was a watery. The sometimes the soup was good, était très claire. And sometimes était bonne. The soup was not
good, and we just bore the situation, even the food was good or bad. Indépendamment de la qualité de la nourriture. Do you remember, Madame Civil Party, that Madame whether the people civile. Who were responsible for the food gave everybody vous souvenez-vous si les personnes who was working responsables de the la same nourriture donnaient portions of food, the same ration of food. La même ration de nourriture. Answer: the food ration was not equal for base les people. N'étaient pas les mêmes pour tout le monde. They had more food, and as for us, we were new people. Our food nouveau, nous were less. Nous avions moins à manger. And how were you able to determine this? How were you able to see with your Qu'est-ce own eyes that that was the situation? De le savoir? Avez-vous vu cela de vos propres yeux? Answer. Réponse. I had food and I had meals, so I could witness it. J'avais des repas, donc je le voyais. How were you able to witness Mais that you had less food than other people? Avez-vous pu constater que vous aviez moins à manger que d'autres personnes? Answer. I Réponse. Had a meal with other people Je prenais les in repas the dining hall. We were sitting at the table Nous étions assis and we à table. Were sitting close to each other Nous so we could see, I could donc, see that the food ration was que less. Les rations n'étaient pas les mêmes. Can you explain to me so that I can understand properly how that then how that went? Did somebody get more rice or did somebody get more soup? Passait. Can you Est-ce please tell us some more qui recevaient about davantage this? De riz ou davantage de soupe afin que je puisse comprendre correctement? Answer. They had a little bit more food than all of us. Sometimes un peu plus à manger que nous. I did not feel my stomach. I wept, but I would not dare to let other people see that I was weeping. Parfois, je ne sentais plus mon estomac, je pleurais, mais je laissais but how would personne the people voir que who served the food or who made the food be able to make a distinction between Mais comment les gens qui servaient la nourriture savaient-ils qui étaient peuple how nouveau did that et qui était peuple de base in practice. Dans la pratique, comment établissait-on la distinction? What call? Answer. Réponse. Yeton. I knew Yeton. She was the cook. Yeton, je la connaissais. C'était la cuisinière. And what did this Yeton, the cook, do? Maître Kopo, et que faisait Yeton, la cuisinière? Lou. The food was. Réponse. Given to us and placed on the table and when it comes to the when it came to the time that we had a meal and then we would go to eat. Repas, alors nous allions manger. I'll move on to another subject, Madame Civil Party. If I heard your testimony correctly, you said that your husband si at one point in time disappeared. Have you been able to see with your own eyes avez-vous pu voir de what votre happened propre to yeux him? Ce qu'il s'est passé, ce qu'il lui est arrivé. Answer. I did not witness it. My husband was asked to Je n'en ai pas été témoin. Go and collect the rice to make ambok. And I did not know where my husband was taken to. Je ne sais pas où a été emmené mon mari.
I do not know where he was taken to be killed. Je ne sais pas où on l'a emmené pour être exécuté. I know it's difficult, Madam Civil Party, to speak about this, but maybe you would be able to tell us why you say the words taken away. What exactly do you mean with the words taken away? Votre mari a été emmené, savez-vous, qu'entendez-vous exactement par emmené? Taking away means that my husband emmené, was killed because I did not see my husband on la suite, the ox cart when the ox cart returned. Sur la charrette lorsque la charrette est revenue. But do you remember actually seeing with your own eyes somebody taking your husband, arresting your husband and walking him away to an unknown destination? Vers une destination inconnue. Answer. I did not witness it. Je n'en ai pas été témoin. He was asked to go and collect the right seeds. He went together with other people on the ox cart, and I did not see those people back. He disappears ever since. Elles ne sont pas revenues. Je ne les ai pas revues depuis. Il a disparu. And this is my last question, Madam Civil Party. Madame just to be sure, you didn't see with your question. Own eyes. What in fact vous happened to your husband other than that one day he didn't return home. Is that correct? La seule chose, c'est qu'un jour, il n'est plus pas revenu. C'est exact? Yeah. Answer, yes. Réponse, he oui. Went and il est parti, never returned. Et il n'est pas revenu. Jamais. He was always with us in the cooperative. During the lunch, the meal time, pendant we would eat together. Repas, nous prenions nos repas ensemble. Thank you, Madame Civil Party. Maître Coppe, je vous remercie, Madame la Partie Civile. So what about the defense counsel for Mr. Kizimporn, and how much will you use for this civil party counsel? I will use perhaps about 15 minutes for this civil party. President, thank you very much. It is now convenient time for the break from now until 20 to 3. Qui durera jusqu'à 3h-20. Court officer, please facilitate a proper room for this civil party and the TBO staff, and have this civil party together with the TBO staff member back to the stand before the chamber at 20 to 3. À 3h-20. The court is now adjourned.